Aujourd'hui, on parle de livres de Noël. Oui, Véro, puis il y en a mille. Il y en a tellement. On a eu un peu de difficulté à choisir. Donc, on vous présente chacun nos coups de cœur. En fait, moi, mon coup de cœur, ça c'est un livre que j'ai découvert l'an passé. Donc, les pages sont arrachées, il y a énormément de vécu. Donc, je vous présente Le Jouet brisé, un conte de Noël. Une histoire rapidement, là, c'est un homme, ça va pas bien. Il est un peu malheureux, il est tristounet, il a un emploi qu'il n'aime pas avec un employeur pas fin. Donc, il va travailler le matin à reculons. C'est quoi son emploi? Il fait le Père Noël. Un matin, il entend une petite voix d'un enfant qui pleure et c'est son jouet qui est brisé. Oui. Donc, lui, il est très manuel, l'homme. Donc, il commence à réparer les jouets des enfants. Donc, M. Jérôme Trottier devient un peu le Père Noël des enfants. Beau. Mon coup de cœur, tout de même, c'est le visuel. Oui. On sent la tristesse. Donc, c'est des images magnifiquement illustrées. Ça finit bien. C'est une belle histoire pleine d'amour. Pleine d'amour. C'est vrai que c'est beau. Le Jouet brisé, un conte de Noël aux éditions La Bagnole. À mon tour! Moi, je vous parle de quand le Père Noël était petit. Aussi, à chaque année, j'achète au moins un livre de Noël. Cette année, c'est mon choix a été facile, écrit par Linda Bailey et illustré par Geneviève Godbout. C'est des éditions scolastiques. C'est vraiment un beau livre. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, depuis qu'il est tout petit, est différent des autres enfants. Ses parents ne comprennent pas trop pourquoi il est différent, mais il l'aime dans sa différence et l'encourage dans sa différence. Ses premiers mots n'ont pas été papa-maman, mais ho-ho-ho. Il aime le rouge, il aime donner des cadeaux à Noël après les avoir reçus, il remballe puis il les offre en cadeau. Fait que c'est mignon. C'est le Père Noël en petit enfant. Quand il était petit, puis on découvre qu'il devient le Père Noël, c'est son travail. Quand il devient grand, c'est ça son rêve. Donc, c'est vraiment une belle histoire. C'est superbement illustré. Ça fait très vieillot dans le fini. C'est vraiment un look particulier, granuleux. C'est beau. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est mon nouveau classique. Voilà. Ma seconde suggestion est une suggestion de cette année. Je viens tout juste de découvrir ce livre-là, Conte de Noël. Ça vient avec deux CD. On aime ça? Oui. Donc, c'est une petite histoire, une chanson. Une histoire, une chanson. On a compris. On a compris. Et c'est des histoires classiques de Noël. Donc, des histoires, mettons, Mon beau sapin, Au royaume du bonhomme hiver, Petit papa Noël. Donc, des chansons, des histoires que les enfants reconnaissent. Les narrations extrêmement bien faites, très expressives. Par des gens qu'on connaît. Il y a Mélanie Ménard, Charles Lafortune, Hélène Florent et Isabelle Blais. Donc, efficace. Et ça a fonctionné chez moi. J'ai le goût d'ajouter que quand vous achetez ce livre-là, il y a une petite partie des profits qui est remis à la Fondation Rêve d'enfants et au Club des petits déjeuners du Québec, tout de même. Donc, ça vaut la peine. Amusez-vous avec ce beau livre-là. Ça vient quand même avec deux CD. Vous ressortez ça année après année. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé nos choix, que vous en avez vous aussi. N'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires en bas de la vidéo. On a hâte de vous lire. On se revoit demain parce que... C'est pas fini. Bye.